Salut les amis, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur les nouveaux plans qui vont sortir aujourd'hui. Il y a vraiment des plans très intéressants, surtout sur le nouveau processeur. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais franchement c'est le moment, si vous avez un manque de processeur, de faire le stock. Bon, on va commencer sans tarder sur un processeur i5 12600K, deuxième génération, qui monte jusqu'à 4,9 GHz en mode turbo boost. Franchement, c'est un très bon processeur pour 300€, rien à dire là-dessus. Ensuite, on a le Intel Core i7 12700K, franchement, qui monte jusqu'à 5 GHz, deuxième génération, pour le prix de 314€. Voilà, c'est vraiment un très bon plan. Ensuite, on a le Intel Core i7 12700KF, cette fois, box, qui monte jusqu'à 5 GHz, mais à 369€. Voilà. Bah après, toujours avec des petits frais de livraison, mais franchement, c'est des bons plans à ne pas rater. Hein. Ensuite, on a le Intel Core i5 12400F pour le prix de 185€. Hein. Avec toujours les frais à expédier, par contre, à 2 mois. Mais franchement, ça vaut le coup. Hein. Pour le prix, si vous n'êtes pas pressé, ça vaut le coup. Maintenant, on va entrer dans le AMD. On a le AMD Ryzen 7 5800X qui monte jusqu'à 3,8 GHz pour le prix de 359€. Toujours sur Amazon, hein. J'ai oublié de préciser ça. Ensuite, on a le AMD Ryzen 7 5700G qui monte jusqu'à 3,8 GHz pour le prix de 330€. Voilà. Et sur ces discounts cette fois, on a le processeur Ryzen 7 3800X pour le prix de 269€, qui monte jusqu'à 4,5 GHz. Ensuite, on a le AMD Ryzen 5 5600X processeur qui monte jusqu'à 3,7 GHz pour le prix de 280€, hein, voilà. Hein. Après, pour finir avec les processeurs, on a le AMD Ryzen 5 5600G qui monte jusqu'à 3,9 GHz pour le prix de 229€. Hein. Franchement, c'est hyper bien. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui leur arrive aujourd'hui, mais il y a des processeurs vraiment trop bons en réduction. Ensuite, on a le... on a la carte mère Asus Intel Z490G ROG Strix Gaming Wi-Fi pour le prix de 187€. Voilà. RGB, franchement très stylé avec ce petit écran. Bon, je sais pas si c'est un petit écran, c'est seulement un affichage comme ça, mais c'est très 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 stylé, franchement, je kiffe. Ensuite, on a les RAM maintenant. On a le Pini 16Go DDR4, combien de 3200 MHz pour le prix de 115€. Ensuite, on a le Crucial Ballistic Max. Par contre, celui-là, il monte jusqu'à 4000 MHz DDR4 16Go 8x2 pour le prix de 94€. Hein. Mais c'est pas RGB, mais pour le 4000 MHz, c'est vraiment, ça vaut le coup. C'est un très bon offre. Ensuite, on a les RAM T-Force Delta TUF Alliance RGB 16x2, 32Go DDR4 3200 MHz pour le prix de 115€. Ensuite, on a le Crucial Ballistic Gaming. Par contre, là, oui, 32Go, 16x2, qui monte de 3200 MHz pour le prix de 105€. Hein. Et maintenant, pour les SSD, on a le disque dur SSD Intel interne Samsung 9800 de 1 Tera pour le prix de 100€ sur Fnac.
Ensuite, sur Amazon, on a Western Digital White Blue SSD à 1 Tera pour le prix de 80 euros. Hein. Désolé, pour un sens, je vais pas lire tout. 80 euros. Voilà. Ensuite, maintenant sur les souris, on a la Logitech G203 Scenic souris, voilà, pour le prix de 19 euros. Hein, franchement, regardez en bleu, c'est magnifique pour 19 euros. C'est parfait. Ensuite, on a Logitech G305 souris gaming sans fil, capteur gaming Hero pour 30 euros. Voilà, pour 30 euros, voilà, c'est vraiment des bons offres. Hein. Ensuite, sur le site Fnac, on a le pack gaming clavier filler de Corsair K655 en noir, plus la souris gaming filler Corsair Harpoon RVP noir. Franchement, pour le prix de 60 euros, ça fait le taf. C'est un très bon offre. Et ensuite, pour les écrans, maintenant, on a sur Cdiscount, on a l'écran PC Gaming Eyama 23,8 pouces, 0,8 millisecondes, 165 Hz pour le prix de 190 euros. Hein. Ensuite, on a des ventilateurs de chez Arctic. Voilà. Sur Amazon, combien on a, oui, de 120 mm, franchement, qui sont pas mal, hein. Par contre, c'est pas RGB, mais ça fait le taf, pour le prix de 24 euros, hein. Pour un petit budget, ça fait le taf. Ensuite, on a le Big White, l'alimentation modulaire pure de 750 watts pour le prix de 74 euros. Voilà, hein. Big White, c'est une très belle marque. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite, on a NZXT C650 watts, 50 watts, voilà, 80 plus gold certifié pour le prix de 72 euros, hein, sur Amazon. Ensuite, on a l'alimentation de Color Master V750 watts, 80 plus gold pour le prix de 70 euros sur Redoux Commerce. C'est un très bon offre aussi. Et à la fin, on va finir avec un water cooling Liquid Max 3 Ener Max avec 3 ventilos pour le prix de 67 euros. Hein. RGB, tout. Et c'est un très bon water cooling. Ensuite, on va parler sur les PC portables et les smartphones et tout ce qui va avec. On va commencer avec un ordinateur portable de Asus 14 pouces chez Carrefour pour le prix de 800 euros. Alors, il contient quoi? Il contient un processeur Intel i5 1135G avec 2,4 GHz. Ensuite, on a 512 Go de stockage, 16 Go de RAM. Franchement, c'est voilà. Un bon PC portable. Hein. Ensuite, sur Cdiscount, on a le PC portable Gaming Asus Dash TUF 516PM. Bon, là, le machin derrière. Hein. 15,6 pouces. Qui contient un Core i7 11370, RAM 16 Go, SSD 512 Go avec une RTX 3060, 6 Go. Windows 10 pour le prix de 1100 euros. Hein. Oui, franchement, en blanc, trop stylé, hein, en blanc. Voilà. Ensuite, maintenant sur Amazon, on a le Lenovo iPad Gaming 3, 15 pouces. Alors, il a le AMD Ryzen 5 5600H, RAM 16Go, SSD 512Go, avec une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Pour le tempérament, malheureusement, je vous jure, et il vient de partir. Hein. Bah, malheureusement, il est rupture de stock, il vient de partir. C'était un très très bon offre, mais bon, voilà. Bah, tant pis. Alors, on va fermer ça. Ensuite, on a
sur Dell Technologies, on a le portable XPS 13 qui se compose de Intel Core i5 11135 G7 avec qui monte jusqu'à 4,2 GHz 11e génération, ensuite 8 Go de RAM. Alors disque dur, on a un disque dur SSD de 512 Go pour le prix de 1165, mais avec un code de réduction que je mettrai en description, vous pouvez l'avoir pour le prix de 749 €. C'est une très belle réduction, il n'y a rien à dire là-dessus. Et en plus, le Wi-Fi 6, c'est la dernière. Bon, le Wi-Fi 6, moi je l'ai. J'ai un routeur Wi-Fi 6, mais la connexion, mais c'est nickel. Hein. Ensuite, on a ThinkPad Flex 5, 15 pouces pour 800 €. Alors, il se compose de quoi? Il se compose de AMD Ryzen 7 5700 qui monte jusqu'à 4,30 GHz en mode boost. Franchement, c'est un très bon processeur. 16 Go de RAM, 3200 MHz. Voilà. 256 Go de stockage. Alors, quoi d'autre? Bah, c'est tout pour. Ouais, voilà. Pour le prix de 800 €, c'est un très 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 bon offre, rien à dire. Hein. Ensuite, on a sur Cdiscount, on a le pack PC ultra portable Asus Vivobook Pro, 14 pouces avec i5, un processeur i5 11300, RAM 8 Go de 8 Go avec un stockage de 512 Go, plus inclus dans l'offre Microsoft 365. C'est un très bon offre, rien à dire. Pour le prix de, 740 €, mais avec un code de réduction que je mettrai en description, vous allez payer que 689 €. Ensuite, sur Amazon, on a les nouveaux Chromebook iPad 3. Ça, c'est pour vraiment pour un étudiant qui veut utiliser pour les études. Je vais pas entrer dans trop le détail. Il a 4 Go de RAM, 64 Go de stockage avec le prix de 200 €. Voilà. Ensuite, on a un PC portable de chez Dell Technologies aussi, de XPS 17 cette fois, avec un Intel Core i7 11800 de 2e génération qui monte jusqu'à 4,6 GHz. Franchement, c'est un très bon processeur. Avec une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060, 16 Go, 16 Go de RAM, 1 Tera de stockage. Pour le prix de 2089 €, mais avec le code de réduction que je mettrai en description, ça descend à 1700. Voilà, 1700. Très bonne réduction. Ensuite, on a la Agando Figu, un PC fixe. Alors, qui se compose de AMD Ryzen 5 3600, qui monte jusqu'à 4,2 GHz, 16 Go de stock, 16 Go de RAM, désolé, avec Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, 8 Go, 500 Go de stockage, pour le prix de 1196 €, mais avec le, ouais, bah y a pas de réduction là-dessus, ouais, je me suis trompé. Ensuite, on a un pack sur Darty, je comprends pas la logique de ça, mais un pack qui compose d'un téléphone portable Motorola Bundle G100 avec un monitoring Lenovo 22 pouces, un clavier souris Legion. Voilà, pour le prix de 430 €, c'est un bon offre si vous avez besoin d'un téléphone et d'un écran, clavier et souris. Voilà. Et là, pour les smartphones, on a le Apple iPhone 13, 128 Go, en RAID, pour le prix de 809 € sur Amazon. Ensuite, sur Bollinger, on a le smartphone Samsung Galaxy S21 Fan Edition Gris, 128 Go, 5G, compatible avec 5G, pour le prix de 759 €, mais avec le prix de, avec le code de réduction que je mettrai en description, ça descend jusqu'à 609 €. Ensuite, on a sur Amazon, on a le Apple iPhone 13 Pro, 128 Go, Blue Series, Seria, pour le prix de 1058 €. Avec, oh, voilà.
Ensuite, il y a actuellement, il y a une seule qui utilise une Tesla, il y a un très 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 bon offre. Il y a une recharge gratuite pour les voitures électriques Tesla Supercharging les week-ends avant 10h et après 18h dans une sélection de stations. Je mettrai le lien en description parce que voilà, vous pouvez voir, vous mettrez là, vous voyez, il y a toute cette partie en France, c'est ces stations, ils offrent cette réduction. C'est un très très bon offre pour les gens qui sont Tesla, hein. Franchement, profitez bien. Je mettrai tout ça en description. Ensuite, on a une offre sur la GTA Online. GTA Online. Ça sera jouable gratuitement pendant 3 mois sur la PS5. Par contre, ça sera dématérialisé. Je mettrai le lien officiel de l'offre en description. Une fois sorti, ceux qui ont la PS5, ils auront l'offre gratuitement pendant 3 mois. Téléchargeable gratuitement, vous pouvez jouer pendant 3 mois. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui pour toutes les offres. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me follow sur YouTube ou sur Twitch. Je fais pas mal de live. De faire un petit pouce bleu pour me soutenir, ça fait hyper plaisir. De follow la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines offres. Et je vous souhaite bon week-end et à la prochaine. Salut tout le monde!